Il a un légendaire, mec. Il est à peu près dans la... Mais j'ai la prochaine zone! Mais je sais où est la prochaine zone, mais what? Regardez, la prochaine zone sera là. La prochaine zone sera là, voilà, ici. Tout le long, là, on va voir, hein. Cocteau, c'est ton ami. Soutiens-le dans la boutique, il sera ravi. Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, tout simplement, on va tester le sniper. Donc, il est 14h, les défis sont pas sortis, je sais pas pourquoi. Au niveau de la boutique, rien n'a changé. D'ailleurs, merci énormément à ceux qui mettent le code créateur Cocteau. On est très 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 peu à le mettre. Donc n'hésitez pas vous aussi à mettre le petit code créateur Cocteau. Bref, on est parti. Donc pour moi, j'ai lu le patch note. Donc il fait 80 dans le corps, 82 aussi. Il fait 200 dans la tête, donc il one shot. Par contre, les gars, il annonce la prochaine tempête. Vous imaginez l'impact compétitif que ça va avoir pour la World Cup. Alors la World Cup, les gars, pour ceux qui ne savent pas, c'est le... C'est le 26, 27, 28. Et le 27, 28, c'est solo et duo. Duo, solo, je ne sais plus. Ça veut dire que les gars, ils mettent un item qui, en vrai, honnêtement, ça va révolutionner le truc. Parce que dites-vous que vous n'êtes pas dans la zone, vous allez le savoir. Du coup, vous allez rota, il va y avoir des putains. Ça va être putain de concentré à un endroit, pas à un autre. Ça veut dire que ceux qui sont, qui n'ont pas le sniper, du coup, qui sont peut-être pas dans la bonne zone. Et ceux qui ont le sniper, qui seront dans la bonne zone, ils seront tellement nombreux qu'ils vont laser les... Oh, ils mettent un item comme ça, parce qu'en vrai, honnêtement, c'est un ajout quand même important. C'est pas un petit truc, tu vois. Honnêtement, il y a des grenades, des fois, ils ajoutent, bon, moyen, quoi. Mais là, honnêtement, ça a un gros impact. Hein. J'aimerais vraiment, je sais pas comment les gens font pour être joueur pro sur ce jeu. Genre, ce jeu-là, c'est n'importe quoi. Il y a une mise à jour, mec, elle change le jeu en deux jours, quoi. Sinon, aussi, il y a les cadeaux qui ont été rajoutés, donc les cadeaux qu'il y avait déjà eu à l'époque. Donc, il y a un an, peut-être déjà. Ou en gros, on jette un cadeau et dedans, on peut avoir des trucs. Il y a aussi les gâteaux d'anniversaire que t'as rajouté, ça nous fait gagner 5 de PV, de shield et aussi 5 PV de bouclier. D'ailleurs j'en profite aussi pour vous dire que je suis en live actuellement sur Twitch, voilà. Au moment où vous regardez cette vidéo les gars, je suis en live sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir, la chaîne est en description. Si vous voulez discuter avec moi ou même simplement venir voir ce que je fais, c'est toujours sympa, c'est toujours apprécié, donc n'hésitez pas, c'est en description. Même Kikizi maintenant si vous voulez, si on a déjà marre de la vidéo, n'hésitez pas à aller venir me follow et à suivre dans cette aventure incroyable. Mais non mais mec, j'ai fait un spawn, y'a personne à Megamall. Y'a personne à Megamall, mais what the fuck. On est en solo donc il va pas aller à ses potes, il venait moins garante. On attache un petit peu. Allez hop là, premier kill fait, t'étais pas très fort hein. Mais bon, ça reste quand même moi le meilleur. Putain, il m'a fait passer. Oh, attendez, il y a peut-être du build un petit peu aussi lui aussi. Ouais, oh, il était un peu en fin de build, je crois. C'est. Putain. Attends, on va peut-être petit dominer pas de pente. Je veux bien les mains garantes. Hein. Oh, t'es dans le blanc toi. Hop là, j'ai tellement mal. Il y a un mec qui a parlé là, non? Non, putain, moi j'ai. Oh, j'ai des hallucinations aux effets que j'ai entendu un mec parler. Non, bref, ouais, les puantes. Over cheat. C'est même pas cheater, c'est over cheat. Pour moi, les puantes, on devrait pouvoir les stack par 6 encore. Mais on peut que les trouver par 2. Genre 2, 4, comme les shadows quoi en fait. Oh non, un petit seul. Mec, mon shoot, what the... Oh, il a le sniper. Ah, j'ai pas envie de mourir. Il a un légendaire, mec. Il est peu près dans la... Mais j'ai la prochaine zone. Mais je sais où est la prochaine zone, mais what? Regardez, la prochaine zone sera là. La prochaine zone sera là, voilà, ici. Tout le long, là, on va voir, hein. Mais what? Mais mec, tu peux savoir où est la prochaine zone? Mais what the fuck, ça... Ça a aucun sens.
Oh, c'est n'importe quoi. Hein. Là, je suis dans la prochaine zone. Voilà. Donc là, je me dis, t'es à la World Cup. Tu te dis, t'es là, bah, je suis bien placé. Les gens, ils savent pas là. Hein. Ils disent, ah, ils se positionnent là, normal. Mais toi, t'es à la zone. Après, j'irai sûrement le tester en arène, mais par contre, pas sur YouTube, mais sur Twitch. Donc, n'hésitez pas à me suivre. Je pense que j'irai le tester en arène pour voir ce que ça donne, mais sur Twitch, du coup, là, parce que. Bah, parce que voilà, je vais pas forcément faire tout sur YouTube. Vas-y, dégage, je mets 10€ en jeu. Alors, tout vraiment au hasard, au pif, je mets 10€ en jeu. Que la zone sera pile au milieu, mais genre vraiment au centre. Vraiment pile au centre là. 10€ en jeu, que la zone sera pile au centre. Regardez, voilà, attendez, je parie 10€, je suis dans la zone. Et imaginons que j'ai raison, les gars, vous devez vous abonner à ma chaîne YouTube. On fait un compromis, ok, voilà. Oh, je suis dans la zone, OMG, fais voir où est la prochaine. Oh, la prochaine sera là-bas. Oh, c'est trop cheaté ça encore. Oh, là, là. Bah, les gars, je compte sur vous pour vous abonner. Hein. Les gars, vous devez mettre un pouce bleu si je suis dans la prochaine zone. Attention, au hasard, vraiment au hasard. Hein. Ah, tu peux tirer tellement vite en plus. Allez, en plus je le touche. Oh, mais je le touche. Mais c'est. Mec, ça met 85, mais c'est énorme en vrai. Et puis il est bien en vrai, c'est pas comme le sniper. Hein. Voilà. Lui aussi de la baie. J'ai bien, je crois qu'il y avait vers celle-ci. En vrai, c'est un peu compliqué à comprendre, mais ça va vite. Hop là, si je suis dans la prochaine zone, vous devez mettre tous un pouce bleu à la vidéo. Ok. C'est quoi la flèche là? Oh les gars, il y a une flèche en haut! What the fuck? Allez, il y a une flèche en haut, on voit où est la zone et tout, mais genre. On voit la zone qui. Je suis dans la zone et tout, dans la prochaine zone, alors que la zone n'est pas terminée. Et. C'est quoi ça? C'est qu'un mec là? C'est que la zone vient de là-bas. What the fuck, c'est quoi ça? Et du coup, c'est trop fort ça en World Cup parce que du coup, tu peux anticiper le mouvement de la zone. Et c'est ça, c'est overcheat ça. Après, je me dis, c'est pas plus mal. Dans le sens où ça peut limiter la RNG de. Bah, moi j'ai la zone, donc je. Bah, voilà quoi. Ah, mais la prochaine, elle va être où? Ah, mais je suis dans la prochaine zone. Oui, bah, je suis con, mais les gars, je sais où la. Et du coup, après, la zone est là-bas. Ouais. Mais mec, ça, à ce moment-là, la World Cup, c'est trop fort. Regardez. Là, imaginons, t'as la World Cup. Donc là, tout le monde est stack, tu te dis, putain, alors la prochaine zone, elle est là-bas. Après, c'est pas là où ça sert le plus en vrai. Là, honnêtement, tu sais que la zone va aller là-bas. Tu t'y prépares, après tu peux te préparer pour les répulsives et tout, ça peut être pas mal. Mais c'est pas là où ça va être le plus fort, je pense, honnêtement. Ah, quoique si. Bah si, en vrai. Parce que là, logiquement, les mecs, ils vont se dire, bah en vrai, on va se positionner là. Sauf que le plus intéressant, c'est pas de se mettre là, mais c'est de se mettre là, du coup. Bah si, en fait, ça change. Parce que les mecs, ils vont se dire, imaginons qu'il y a un mec qui est là. Au lieu d'aller là, bah il va aller là, en fait. Oh, donc si, en fait, ça change énormément, en fait. Allez hop là, tiens, prends ça toi. Oh mais je suis cancer hein. Allez hop là, c'est top 1. No scope. Oh, pas loin. No scope, no scope. J'ai voulu jouer avec le feu. Et hop là, top 1. Et la prochaine zone, elle était par là-bas. Ah là là. Beaucoup trop fort. Beaucoup trop fort, beaucoup trop fort. En vrai, il est... pour moi, honnêtement, hein, je parle avec sincérité. Alors World Cup, il va être. T'as le sniper, mais t'as un avantage, il est considérable. En plus, ça prendrait 15 slots, comme je l'ai dit. Bref. On va pas débattre plus là-dessus. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Bref, rien de plus. Bon, il n'y a pas les défis, ils doivent sortir à 15h. Bah, je vais sûrement faire les défis Ultime Effort à 15h sur ma chaîne Twitch. Donc, n'hésitez pas à aller venir voir, tout simplement. En tout cas, moi, je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis, c'était Cocteau. Pouce bleu, abonnement.